YouTube. Salut YouTube! Salut YouTube! On continue le streaking. Donc, la 15e run sera-ce la dernière? Je ne sais pas. Non, jamais. Jamais! Pour ceux qui débarquent, petit rappel du principe, on joue avec une save de speedrun 100%. Donc, elle est full clear ici. Alors, évidemment, zéro mode. On a tous les objets débloqués. Donc, 549 objets débloqués. Et 403 secrets de débloquer. Donc, c'est une run full. Mais le but ici, c'est tout simplement d'aller battre Blue Baby avec le personnage de Isa, de Eden, pardon, qui est là, en hard, sans reset, et le plus de fois possible sans mourir. La spécialité de Eden, c'est qu'elle spawn avec deux items aléatoires, avec des PV aléatoires et des stats aléatoires. Donc voilà. 15e run, le world record est à 909. Détenu par Shisheyu. Et voilà. Et puis on va voir ce que ça donne là tout de suite. Let's go. 3, 2, 1. Go. Go. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Déjà, on a un jeu qui n'a pas le focus. Nous avons. C'est le Sadonion. J'ai l'impression que c'est le Sadonion. Bonjour, Captain. C'est le Sadonion. C'est bien ça. Je regardais sur le tracker. Je t'ai répondu Yudo, je check ça après, je check après mon stream, yes. Nous avons donc une très bonne cadence de tir de 8. Nous avons des bons dégâts de 4-18, c'est correct. L'activable, c'est très moyen. Donc c'est une machine une machine à sous qui nous dépense des sous pour avoir des récompenses. C'est très très moyen. Et notre trinket, sauf erreur, c'est quand on se fait toucher, ça fait un effet de dice aléatoire. Il me semble. Par contre, ma range est un peu moyenne. La range est un peu moyenne. Donc bon, ouais, ça devrait bien se passer. On a 3 cœurs rouges, donc c'est correct. En avant! Let's go! Let's go! Alors, oui, alors par contre, on est sur un putain de... Sailor de merde. Et on a déjà le... Ouh, attendez, c'est peut-être une bibliothèque. Non, mais c'est sérieux, ça? Je me suis fait toucher. Pourquoi j'ai eu des stats aléatoires, là, qui ont été... C'est le Cracked Dice qui fait des stats aléatoires? Sérieux, mais j'ai touché un feu, quoi. Quel sac à merde. Par contre, je disais ça, c'est possiblement une bibliothèque. Si proche du spawn. Donc, on va voir. Putain, je suis allé dans le feu. C'est temps de me réveiller. Fais chier. Alors, on va voir. Hein. On va pas aller à l'item room tout de suite. Bon, alors, les stats aléatoires, pourquoi pas? On a une meilleure cadence de tir. Par contre, on a une moins bonne... moins bon de dégâts. Moins de dégâts. C'est le Cracked Dice qui randomise les stats? Bon, le 5 de tier 8, ça me va et on a gagné un peu de range aussi. Ah, pas sûr. Je sais pas. Bon. Bon, bah, petite salle, hein. Petite salle, let's go. Ça va, c'est une salle easy. Ouais, mais je préférais mes 5 de dégâts, là. Je préférais mes 5 de dégâts. Attention, eux, c'est ceux qui retiennent des larmes. Donc, ils vont exploser, voilà. Tu m'emmerdes. Merci. Qu'est-ce qu'on a de beau? The Emperor. Oh. Ouais. Ok. Ouais, fais pas le con, j'ai une bonne speed. Hein. Speed correct. Petite pièce, ok. Ok. Non, c'est pas une bibliothèque, c'est un shop. C'est un shop. Et on a qu'une pièce et pas de bombe, donc on va aller à l'item room sans ouvrir le shop, même si on chope une clé. Pas de caillou marqué. Bonjour, Carrie. Pas de caillou marqué. Non. La secret, on a trop de possibilités, donc on va pas la try. Donc, go item room. Go item room. C'est pas déconnant. Alors, c'est mieux que mon actif actuel. On accepte. On accepte. Et on aura une batterie en cas de besoin. Et du coup, let's go pour le boss. Voilà, activable assez fort. La speed, alors oui, mais on sait pas forcément ce qu'on a besoin maintenant. Moi, j'aimerais bien du dégât plutôt, ou de la range. Et des cœurs bleus, bordel de cul! Bon, premier étage, on a tout fait. Let's go. Sailor 2, donc... Ah non, Burning! Burning 2, super! C'est pire que le Sailor. Ok, ça va, c'est une salle easy. Bah. Je vais me faire toucher ici. Faut que je fasse gaffe, hein, j'ai pas de cœur bleu, j'ai pas de protection là. J'ai pas de protection. Et ah oui, alors du coup, ma trinket m'a donné un cœur blanc. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on a un cœur blanc.
Si on peut ne pas prendre de dégâts, on aura un HP pour le prochain tour, pour le prochain village. Ça, c'est plutôt bon bail. Ok, ça va. Eux, ils retiennent pas. Donc, ils n'explosent pas. Mon actif est chargé. Ok, les vortex ont disparu très tôt. Parfait. Enfin, les dégâts, c'est chiant hein, de se faire toucher. C'est dommage. Parce qu'on avait en... Bon, la cadence de tir à 5, c'est bien, mais quand même. Quand même. Du coup. Les vortex de merde. Ok, ça va. Les vortex n'ont pas invoqué trop de merdias. Toujours pas de cailloux marqués. On a une clé, c'est une bonne nouvelle. Encore des vortex de merde! Ok, pareil, ils ont rien eu le temps d'invoquer, on a un caillou marqué. Bonne nouvelle, allez, un cœur bleu, s'il te plaît. Putain, chier. Grande salle, ça va encore, c'est acceptable. On aura un coffre d'accessible. Tant que je peux ne pas utiliser mon activable, je l'utilise pas. Parce que ça, c'est vraiment pas une salle compliquée. Ok, deuxième clé. Ah merde, il y en a encore. Ouf, ah oui d'accord les clés, pas mal. Ok. Ok, on a 5 clés donc on va attendre de trouver le shop. Et on a 3 bombes avant de faire l'item room. Oh, ok. Encore une grande salle, c'est pas une bonne ambiance ça. Pas une bonne nouvelle, ok ça va. Ça va. Ok, les mouches qui se sont suicidées c'est nickel. Attention à lui, il est rapide. C'est bon. Eux, ils invoquent pas. Donc ça passe. Ok, je pourrais bomber ici pour avoir la batterie et le coffre. De l'autre côté, une bombe. Ouais, bon, on va tout bomber. Hein. Et on a le shop. On go au shop d'abord. Il n'y a pas un seul caillou marqué, bordel. Et le shop. Alors, Pandora's Box. Cœur bleu. Je pense qu'on prend que le cœur bleu. Hein. Et je vais bomber le mendiant. Est-ce que je bombe le mendiant quand même? Pandora's Box, il faut se la traîner trop longtemps, je pense. Powers. Je prends un deuxième cœur bleu. Ah bah, j'ai pas de thune. J'ai pas de thune. Du coup, on fait ça. Allez, pose la bombe. Pose la bombe, merci. La bombe ici. Oui, bien sûr, sac de runes, évidemment. Et du coup, item room. Et donc là, on est protégé, on a un cœur bleu, donc c'est une bonne nouvelle. Et nous avons le doigt. Alors, quelqu'un m'a dit dans les commentaires YouTube, merci à toi. Et merci aux commentaires YouTube. Quelqu'un m'a dit que le doigt applique également les effets de poison et de ralentissement, etc. Sur les ennemis, donc c'est plutôt sympa comme truc. Oula, 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 oula. Ça va. On n'est pas passé loin de la catastrophe, mais ça va. Ah, il y en a encore. Fuck, il y en avait encore un invisible que j'ai pas vu. Merde. Bon, c'est pas grave, on a encore le cœur bleu de protection, demi-cœur bleu. Donc, go pour le boss. Go pour le boss, on a tout fait sur l'étage. La secrète, il y a deux possibilités. On fait le boss, on voit après. Ah oui, non, c'est fort. Hein. Crack the Sky, c'est fort quand même. Squeezie, deux cœurs bleus, oui. Et bah malheureusement, pas de tears up parce que je suis au max. Enfin, je suis au min, en l'occurrence. Et c'est nul. Est-ce que je le prends quand même pour me forcer? Pour forcer Devil Deal? Alors, c'est pas nul. C'est juste pas fou. Et ça peut être un petit peu dangereux. Mais je pense que je le prends juste pour le forçage Devil Deal. On veut pas forcément les Angel Room. En go. Donc en gros là on va avoir un petit compagnon, cavalier de l'apocalypse, qui va nous faire spawner des mouches. Le seul truc c'est qu'il y a des mouches qui peuvent exploser. Donc voilà. Alors voyons voir, est-ce qu'on peut trouver la secrète? La secrète, elle peut être là, elle peut être là. Et sinon l'autre possibilité c'était... Elle peut être là, elle peut être là. Elle peut être là. Je vais la try quand même. Même si j'ai qu'une seule bombe. Ok,
Ok. Et nous visons un coffre. Ouh là, attention avec le doigt. Le doigt, ça fait exploser les tonneaux. Fuck! Putain, je voulais pousser le tonneau pour péter le truc et le doigt l'a fait exploser. Bah, nique. Quelle connerie, putain. Bon. Mais c'était pas glorieux en plus. C'était pas glorieux. J'ai 3 pièces, donc je peux pas m'acheter de... de cœur bleu. Donc, étage suivant. Étage suivant, j'ai une batterie. Voilà. Allez, je me casse. Je me casse. Putain, les 3 hits qu'on a pris, c'est des 3 hits complètement cons. T'as d'ailleurs, pour revenir par rapport aux commentaires YouTube. Alors, je l'ai déjà dit sur Zelda, c'est pas moi qui place les publicités sur YouTube. Elles se placent toutes seules. Alors, je peux manuellement les placer. Je ne le fais pas parce que fuck it, vu le nombre de vues, franchement, je m'en fous des pubs. Il y en a, hein, mais je m'en fous de où elles se placent, etc. et combien. Mais par contre, la personne qui vient dire « Oh, ça fait chier, il y a 17 pubs !» Alors ça, par contre, j'ai été vérifié. Merde. Si YouTube avait bel et bien mis 17 pubs, c'est mytho. Il y avait 3 pubs sur une vidéo de 1h30, donc j'estime que ça va, c'est raisonnable. Du coup, pour toi qui t'es tapé 17 pubs sur ma vidéo, je t'invite à nettoyer ton PC parce que tu as dû aller sur des sites pas très catholiques. Et du coup, ton ordi doit être vérolé, je pense. Voilà. Bon, ça fait pas des masses de dégâts, le doigt. Hein. Mais ça en fait quand même. Alors, nous avons une blanque rune. Blanque rune, c'est correct. Ça peut être une Yera, ça peut être une Petro. On va garder pour une éventuelle Petro, je pense. Sauf si on a une salle avec des... Et merde. Sauf si on a... Attention, ça c'est une mouche putain qui explose. Ah, mais je me fais défoncer la gueule comme une daubasse. Fais chier. Je fais nimp. Ouais, faut vraiment que je fasse attention aux mouches qui pètent. Hein. Voilà. C'est ça qui m'emmerde. J'ai 5 pièces de bombe, donc on va aller. Et 3 clés, donc on va chercher le shop d'abord. Je suis rapide, je suis ultra rapide, faut que je me gaffe. Inertie du perso. Ok. Je sais pas, Captain, si j'étais les voir ou pas. Je sais plus. Carte. Joker. Ouh, Joker, très bien. Joker, très bien. Allez, shop. Blanca. Oh, Blanca Joker ou Diplopia. Enfin, c'est... Oh non, c'est Diplopia 2000% avec une carte Joker. Diplopia 2000%. J'ai 8 pièces. Il va me manquer un petit peu de sous. Je peux aller à l'item room. Ah, j'aurais pu essayer l'Igera sur les pièces. Avec la blanc card. Avec la blanc rune. Petro. Oh putain. Ouais. Ok, alors. On va absolument devoir faire ça de la manière suivante. On va aller avec Petro sur le boss. Diplo double la blanc card aussi. Ah, c'est pas con. Oui, mais je vais le faire dans un Devil Deal, Loulou. Surtout avec une Petro. Donc, en gros, l'objectif, c'est d'aller au boss avec Diplopia et Petro. En croisant les doigts pour que le Devil Deal s'ouvre. Si le Devil Deal ne s'ouvre pas, on revient, du coup, sans Petro. Mais avec le Diplopia sur le Devil Deal. Et le must serait... Le must serait que le Devil Deal s'ouvre. Mais il me manque 2 pièces encore. Il me manque 2 pièces. Donc il faut qu'on loot une bombe, il faut qu'on loot 2 pièces. Et ça me donne une putain de pilule. Ok, ça va, il me reste des salles. Il y a une pièce dans une salle apparemment. Que je peux éventuellement blanc rune. Pour essayer de Yera. Ah oui, mais je peux pas l'avoir.
Pas me donner des cailloux marqués aussi le jeu s'il te plaît. Ok. C'est quoi ça? C'est déjà c'est des lames statiques hein, qui restent en apesanteur je crois. Oula, attention, pas se faire toucher, j'ai pas de cœur bleu. Ça va. Allez, donne-moi des pièces, s'il te plaît, ou une bombe. Des pièces ou une bombe. Ce serait un scandale, par contre, si on n'a pas les... Ah, ça va être un scandale. Fuck. Non, ça a pas touché mon Devil Deal. Et on a récupéré un cœur blanc ici, ok. Cœur blanc, on viendra le chercher après. Ça diminue pas les chances de Devil Deal. Du coup, faut que je l'utilise comme protection, ce cœur blanc, plutôt. Je pense. Je crois que ça, c'est les larmes qui restent en vol et qui peuvent se... Ouais, c'est ça. Si je... Eh merde. Ouais, ça touche pas mon David Deal, ok. Et qui peuvent se remplir. Si je tire plusieurs larmes dans la même larme. Ok, ça c'est nice. Elles se remplissent et elles explosent en millions de petites larmes. C'est assez fort. Mais par contre, c'est vu que les larmes d'explosion sont rouges, c'est dur de savoir quelles sont les larmes ennemies, quelles sont les larmes à moi. Hein. Ça fait un bon gros dégât de zone. Par contre, ma reine, j'ai nul. Hein. Petro et Blancrune. Ah, oh, putain de merde. Ok, alors. On va faire ça comme ça. On va stacker tout le merdier qu'on a au même endroit. Donc ici on a un cœur et une carte. Donc je vais dropper la pilule ici et ma trinket. Ma trinket je veux bien la garder par contre. J'ai des cartes qui traînent. Non c'est une... Ok ça c'est la blanque rune. Ici j'ai rien. Et on va espérer d'avoir un... On va avoir un Petro ou un Hiera. Ah oui, non, mais même la carte Joker, je veux pas non plus la... Fuck. Ok, donc là, j'ai tout. Ah non, il y a encore une rune. C'est la Petro. Ok, donc. Ça, c'est lequel déjà? Je sais plus. Je sais plus ce que c'est, ce qui s'est passé là. Tant pis pour la trinket, hein. Si on augmente nos chances, ça me va. Ah, on a eu la vision. Ok, mais j'ai pas de bombe. C'est Anzus qu'on a eu. Non, Joker, ça, je veux le garder. C'est ça qu'il me faut. Blancrune. Pour un Petro. Mercano. Fuck. Bon, bah écoutez, on va au Devil Deal. Sans le Diplopia, hein. J'ai pas vraiment le choix. Sinon, je peux prendre des dégâts. Mais le problème, c'est que bah, je diminue mes chances de Devil Deal. Donc, on y va avec Petro au Devil Deal. C'est dommage. À deux pièces près, hein. Deux putains d'items dans le shop. Allez, let's go. Allez, 36% de chance. Fuck, il y a encore du speed, t'es sérieux? Je le prends parce que je veux la garder, Petro. Je veux pas la garder, je veux l'utiliser. Je veux l'utiliser ici. Deux pièces. Ah mais Petro, ça marche pas sur les items au sol. Ah. D'accord. Oui, je sais que j'avais déjà un cœur blanc, que ça m'a protégé, Gladrox. Mais je savais pas que le cœur blanc protégeait, empêchait les chances de Devil Deal. Ok, bon bah tant pis. Du coup, la Petro. Non, attendez, il me reste quoi du coup? Il me reste une Joker. Il me reste une Joker. Est-ce que j'utilise la Joker maintenant? Vu que j'ai pas eu le Devil Deal, je pense que c'est correct de l'utiliser maintenant. Hein. Whip. Guppispo. Guppispo, on prend. L'autre, on prend pas. Ok. Et je garde mon Crack the Sky. Et du coup, bah tant pis pour le reste. Hein.
Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de... Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je vais aller récupérer la carte. On en aura d'autres, des pétro. J'y crois bien. Avec le sac de runes, ça va bien se passer. J'y crois à mort. Du coup, je récupère ça. Siempror. Donc là, on est masqueur bleu, c'est bien. Et surtout, on va récupérer un cœur blanc à la fin de la... au début du prochain étage. Donc, nickel. Curse of the Darkness dans une flooded cave. Quel enfer! Qu'est-ce qui m'a touché? Putain, j'ai pas vu, je vois pas les tirs ennemis avec cette merde. Ok. Il faut de la range, hein, par contre. Il faut vraiment que je trouve de la range. Il se transforme, attention. D'où j'ai eu des poison tears? C'est quoi qui me donne des poison tears? Je sais pas ce qui me donne des poison tears, mais ils ont eu... Ewaz. Alors, échelle de corde? Non. Ouais, c'était sûr. Il reste quoi? Oh putain. Je vois rien! Flooded Cave en Dark, on voit vraiment que dalle. Hein. C'est vraiment nul. Death. On va garder Death pour le moment. Ouh. Alors, ça, on reviendra. Au cas où, on peut avoir un Yera. Au cas où, on loot un Yera. Pour le dernier. Hein, merci. Putain! Je me fais bolos! Heureusement que j'ai mes cœurs bleus, hein. Ok, on a le shop. Go. Ok, bah maintenant on les a les thunes. Super. C'est un peu tard. C'est avant qu'il nous fallait de la thune. Bonsoir Lariana. Virus. Oui, on a trop de speed. Ça me va. Ça me va. Surtout que bonne chance de dropper des cœurs noirs avec le virus. Donc c'est plutôt pas mal. Fuck. Je fais n'importe quoi. Je vois rien du tout. Berkano. Oui. Ok, une bombe, ça c'est cool. Les mouches qui explosent. Putain de merde, j'ai trois cœurs. On a le boss, on va pas aller au boss tout de suite. Allez, il faut que les mouches elles fassent le taf. Merci. Pilule Osef. On finit le full clear. Trouver une IRA éventuellement. Après, le problème, c'est que j'ai pas assez de clés pour ouvrir tous les coffres, mais... On ira ou pas, c'est la merde. Putain, mais je sais pas qu'est-ce qui est mes larmes, qu'est-ce qui est pas mes larmes. Bordel. On va aller à l'arcade. On va bomber. Et maintenant, il nous faut des cailloux marqués, bordel. Bonjour, Garia. Ça va et toi? Mais c'est un scandale. Mais c'est un scandale, putain. Là, on a vraiment un combo de merde. Hein. Flooded Cave, en Darkness, et avec le machin qui fait des larmes rouges, du coup, je sais pas qu'est-ce qui est mes larmes, qu'est-ce qui est pas mes larmes, et les mouches qui pètent, c'est un scandale. Pas fini.
Mon royaume pour une immunité aux explosions. Y a pas un caillou marqué par ici? Non. C'est vrai que c'est le week-end, oui. C'est le week-end, il est vrai. Enfin pour vous, pas pour moi. Ok. Où je reste vraiment loin des ennemis. Le problème c'est que j'ai pas de range en fait. C'est difficile de rester loin des ennemis. Yera, ok, on l'a eu la Yera. On l'a eu. Du coup, let's go pour la challenge avec Yera. Avec un peu de chance, il y aura des clés dans les coffres. Il faudrait un coffre qui a des clés. Et le reste des coffres ont des items. Donc, hop. Yera. Yera. Pas de clé, mais masse de pognon, ok. Je vais peut-être faire ça. Hein. Ouais. J'ai pas de dégâts. Faut mourir, hein. Faut mourir. Ouf. Je sais pas comment j'ai pas pris de dégâts. Ok, moins 1. Je sais pas pourquoi il est ralenti aussi. Il y a des effets étranges que je comprends pas, mais moi ça me convient, ça me convient. Il est plus ralenti, ok. Ok, ça passe. Ouh. Alors attention, il y a un caca rouge, hein. Ah, pas d'item. Ah, c'est pas fameux. C'est pas fameux, il n'y a pas de clé en plus. Il n'y a pas de clé. Donc c'est la merde. J'ai encore 4 coffres à ouvrir. J'ai pas de clef, il n'y a pas de shop. Je peux trouver la secrète peut-être. Il y a 1, 2, 3, 4 possibilités. Alors la secrète, elle n'est pas ici. Ok. Elle peut... Non, elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici à gauche. Mais il reste plus qu'une possibilité. Nice. Yo! Comment ça va? Allez. Non? Qu'est-ce que j'ai pas checké? Ah, en dessous de la... La challenge. Sous la challenge. Bah non. Mais... Bon, ok, moi bon, je sais pas où est la secrète. Bah, go pour le boss, hein, du coup. Go pour le boss sans mon actif. Non, si, j'ai une batterie dispo. J'ai une batterie dispo. T'as foiré la bombe. On est d'accord, hein, y a plus que ça comme possibilité. Après, j'ai 53 pièces, je pourrais presque gamble pour essayer de trouver des clés. Je pense que ça peut être pas mal. Bon bah si c'est ici, c'est là la bombe. Ouais ok, j'ai foiré ma bombe. Eh ben une clé, merci. On va bomber ça. Donne-moi des clés. Damn it. Je vais gamble pour essayer de trouver des clés. On va se descendre à 30 pièces. Oh, une pretty fly, nice. Par contre, j'ai peur, j'ai une mouche qui pète là autour de moi, non? C'est les jaunes qui pètent. S'il y a une mouche qui pop là, je me prends les gars. Elle est pas chaude. Putain, la gâchette, merci. Nice, ok, on a deux clés. On a deux clés. On va les utiliser sur les deux coffres. Hein. Enfin, sur deux coffres. Celui-ci, je ne l'ai pas ouvert encore. Ok. Et celui-ci avait masse de pognon. Oh. Ah non, merde. Ok, non, j'avais déjà ouvert les deux qui avaient de masse de pognon. Bon. Bah, c'était pas fameux comme Yera. C'était pas fameux comme Yera. Et au final... bah voilà. Le boss... Et juste espérer que la batterie elle soit accessible. Yes.
Devil Deal, HP up. HP up, je prends pour le Devil Deal. Mom's Knife ou deuxième item de Guppy. Alors, je sais pas du tout ce que fait le couteau avec, avec les larmes là. Mais dans tous les cas, c'est bien, je pense. Je pense que je prends le couteau. Alors, je manque de range, mais je prends le couteau. Tant pis pour le deuxième item de Guppy. Ouais, ça fait rien. Bien ce que je pensais. Donc, c'est un retour en arrière, mais tant mieux. C'est un retour en arrière acceptable. Ok. Un cœur rouge, deux cœurs bleus. Et le couteau qui fait un gros upscale quand même. Hein. Et on manque encore de dégâts. Ah oui, non, mais ma range, ça va en fait. La range avec le knife, c'est acceptable. Acceptable. The War, oui. L'encrune. Ok, direction le shop en prio. Il faudrait qu'on trouve des clés par contre. Ouais, déjà là au moins, c'est déjà moins le bordel à l'écran et c'est bien. C'est très très bien. Et le couteau, même si on n'a pas des masses de dégâts, le couteau fait toujours le café. Hein. Dur. Attention les petites merdes, ah oui, voilà. Shop. Broken Watch, c'est oui. Cœur bleu, c'est oui. Reroll, clé, et on est bon. Putain les bombes. 5 pièces. Double actif. Double actif. Pas pour le moment, mais il me faut une clé. On va finir de clear, on verra. En fonction si on prend le double actif et la Bible. Ou si on prend le double actif et qu'on a un autre activable sympa dans l'item room. Je pense pas prendre le double actif s'il n'y a pas un bon activable dans l'item room. Salut toi. Il y a un petit rocher marqué ici. Ça c'est très gentil de ta part mon gars. On ne le fait pas péter maintenant. On verra après si on lui donne des sous ou pas. C'est mon poison, oui. Oula. Et une black rune. Black rune, on verra plus tard. Pour le moment, je garde la blanche rune. Ok. Toujours pas de clé, hein. Toujours pas de clef. Ouh, il y a une holicarde. La Fabian holicarde, c'est un effet de Holy Mantle quand on l'utilise. Mais ça me coûte 2 clés. De toute façon, j'ai pas de clés, donc c'est mort. C'est fort, mais sans plus. Sans plus vu notre état de build actuel. Avoir une clé dans ce jeu, s'il vous plaît. Ok, caillou marqué. Secret. Oh, donne-moi le. Oui, le 50%. Bon, les 25 balles, c'est bien aussi. Petro, ouh, Petro mieux que Blancard. Blanc rune, pardon. Où je prends ça? Je reprends la Petro. Nous allons. Fabien Lucard, elle fait connaître les 30 premières décimales de Pi. Non. Du coup, je prends le double actif et je reroll pour trouver une clé. Carte de crédit, c'est tout le store gratuit.
ou tout un Devil Deal gratuit. Je suis à quel étage là? Depth 1, ok. Carte de crédit, ça peut être sympa, hein. Pour un Devil Deal. Bah après, j'ai pas mal de cœur. Non, non. Putain, la gâchette. Ok, clé, Black Candle, je prends les deux. Et le Hive Mind. Hive Mind peut être bien aussi, mais Black Candle, je préfère, clairement. Ok, et du coup. Item Room. Si l'item est nul, on le prend pas. Item est nul, on le prend pas, comme ça on fait le boss. Et si jamais le boss, en fonction du Devil Deal, on viendra utiliser Petro sur l'item. Attendez, j'ai pas fait la salle ici, on va faire celle-là aussi. Et tough. Ah bah là, j'avais une clé. Ok, go pour le boss. J'ai 9 bombes, je peux try la super secret aussi vite fait. Alors elle peut être là, mais on va partir du boss. Donc elle peut être ici à gauche, et elle peut être ici à gauche. J'avais pas bombé de mendiant encore. Non, elle peut pas être en haut. Elle peut être ici en bas. Et si elle est pas là, j'arrête. Ok, j'arrête. Ouais, du coup, go le boss qui m'ouvre un Devil Deal. 48% de chance, ça devrait le faire, non? Ça devrait le faire. Ta gueule. Putain! Je vais prendre ça. Et on va pétro sur le. Sur le truc. Item room. Et on va garder la black rune pour autre chose. Ah non, je pourrais black rune. Attendez, non, j'ai black rune la mouche. Ça fait un stats up aléatoire. Et une... Ah, mais il y a des celles que j'ai pas clear en fait. De la range et de la luck. Ça me va. Ça me va. J'avais pas fini l'étage en fait. Hey, merde. Je compte se faire toucher par ça. Et Algiz. Ok. On va utiliser Algiz. On prend qu'un demi-cœur, mais on a assez de vie là, très clairement. C'est pas par là. Je vais ouvrir ça aussi. Nul. Algiz. Bon, c'était worse, hein. Bonjour Bastien. Ok, je vais rechercher la pet row. Et on se casse. On a tout fait, hein. On a tout fait. Let's go. J'ai rien laissé derrière d'intéressant, je crois pas. Let's go. Bon, ça va, la rune là, elle s'est bien stabilisée avec le knife. On a beaucoup de cœur, donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Cassons-nous. Non, je vais me débarrasser de... Je vais prendre la Bible... Ah, attendez, la Bible Track, c'est des drops de cœur blanc, hein, c'est ça? Parce que là, on va commencer à vouloir se débarrasser de mes derniers cœurs rouges. Donc, je pense que je laisse l'autre là. Et que je garde la Bible Track. Comme ça, les cœurs blancs, j'aurai le choix de les ramasser ou pas. Allez, c'est parti. Oh, merci pour la secrète. Nice. Ok, c'est pas fou. Allez, la bombe. Putain.
c'est pour le dime. Et le lock-up. Oh, sympa ça. Un petit accès gratuit à cette salle, ça me va. Alors, on est adepte 2, donc il peut y avoir une arcade. Il faudrait qu'on perde nos cœurs rouges pour faire la challenge room. Là. Ok, il y a un cœur bleu pour une bombe ici, on viendra le rechercher après au cas où. Ici on a des cœurs bleus potentiels aussi, on vient de rechercher au cas où. Eh, c'est le petit robot baby qui carry là. Alors, item room après le shop. Du bol. Dagaz. Ça donne un cœur bleu, Dagaz. Ok, nous avons le shop. Heureusement qu'on a du speed. Alors, carte de Joker potentiel. Non, on va bomber. J'ai des UPS, donc j'ai pas non plus beaucoup de marge. La boîte, je sais plus ce que c'est, ça c'est des petits compagnons aléatoires, hein, je crois. Et les explosifs, c'est mort, le boom. Pose une bombe, merci. Charge with blood, non. Le 50% into blue map? Non, je pense pas. C'est le dernier shop, donc non. Fanny pack, c'est pas fou. Allez. Un petit tour de machine. C'est vraiment nul hein. Ace of Spades. Drop des clés. Ok. Ok. On y va comme ça du coup. Je vais aller à item room. Mais merde, à chaque fois c'est les mêmes qui me touchent. Non, c'est pas grave, j'ai des cœurs bleus. Oui, merde, item room. Item room. Drop de cœur bleu, oui. Toutes les 4 salles, un cœur bleu qui drop, ça me va. Donc là, faut encore plus que je me débarrasse de ma trinquette. Hein. Merci le doigt qui éteint les feux. Hein. Plus de bombes par contre. Ok, bah j'ai une bombe. Et le doigt éteint les feux. Merci. Je suis en train de bouger mon joystick très gentiment parce que le doigt, je crois qu'il est. Il est analogique le doigt. Ok. Pas grand chose de bien. Ah, j'oublie que j'ai le sac à dos, hein. Faudra que je trouve un deuxième actif. Merci pour les clefs. Demi-tout. Deux. Agalaz. Bah oui. Deux cartes rouges. Two of clubs, ace of clubs. Bah c'est pas glorieux. Vas-y the sun. Je vais prendre le ace of clubs, c'est double les bombes. Donc on va faire comme ça, attaque. Je drop ça ici, ça je le drop là. Le ace of clubs je le garde, ça, two of clubs, ça drop ici. Je vais pas ultra opti le truc hein. Mais juste Ace of Clubs. Ah non c'est les clés pardon. Ace of Spades. Ah mais c'était of Spades. Ace of Spades et Two of Clubs, d'accord. Ah bah ça me va. Ça me va.
Ok. On va full clear avant. Là, on va pas avoir besoin d'utiliser nos bombes. Ah, le stick de traviole. Pas de bombe pour ça. On reste deux salles et pas d'arcade malheureusement. Ah, j'avais peut-être pas le pognon. Les arcades, je sais plus si c'est dans les salles numéro 1 ou numéro 2. Je me souviens plus. Ok, on s'en fout du cœur bleu ici. Bon ben, fin de l'étage. Il me reste 10 pièces, on va les utiliser. Pour une clef. Pour une clef. Et go. Reroll. Peut-être. Encore un 50% gratos. Enfin, moitié prix. On va faire ça comme ça. Je vais aller chercher la carte qui est ici, la Two of Clubs. Ah mais non, mais Two of Clubs, c'est Two of Clubs, c'est pas Ace of Clubs. Ok. Eh ben, go mom, hein. Go mom. Merde. Faut mourir en fait. Faut mourir. Merde. Putain, je tire à côté. Voilà. David Deal, nice. Cœur noir, on le prendra après. David Deal. Ah, ça c'était sûr par contre. Merci à Mouche qui pète. Mais merde. L'Ump of Call, je sais jamais si ça fonctionne sur le cut, sur le couteau. Après, on peut avoir tellement mieux avec Petro. On n'a pas vraiment besoin du L'Ump of Call avec le couteau. Oui, bien sûr. Absolument. Sacrifice Altar dans un Devil Deal. Deux items. Ok. Demon Baby et My Shadow. Ça me va. Ça me va. Et ça sacrifie pas le petit lui. Eh bien Cassos, étage suivant. Faut vraiment qu'on trouve un David Deal pour se débarrasser de ces trois queues rouges. Hein. Bonsoir Sinochi, bonsoir Dreamer. Et bonsoir Guigrenier. Encore cassé le jeu. Non, là le jeu est pas cassé du tout. T'as tapé ton Two of Spades dans la boutique. C'était un Two of Spades dans la boutique? Merde. C'est pas grave. C'est des clés là. Cossi, Anzus. Ok, petit mapping, ça on va le faire. Easy. On aura un cœur bleu. Ça on s'en fout hein. Je vais le laisser au cas où on trouve une pétro encore. Go ici. Oula, mais merde, ouais, c'était sûr. On l'a trouvé bloqué. C'est pas grave, des cœurs on en a. Sois malo. Encore moult de pognon, mais c'est trop tard pour le pognon. C'est trop tard. Cœur bleu. Voilà.
putain, les mouches qui pètent. C'est bon, joueur. Ah, fuck. Mais merci pour le drop de cœur noir. En vrai, on échange un cœur noir contre un cœur bleu, ça me va. Dagaz. On n'a pas. Et ça, c'est Emergency Contact, on s'en fout, je pense. On va garder le Dagaz. Pour après, Dagaz, c'est aussi un cœur bleu. Caillou marqué dans l'eau ici? Non, je crois pas. Non. Les petits vaginax. Ok, c'est fait. Cœur bleu, merci. Cœur blanc, on n'en veut pas. TP la ville d'île? Non. Alguise. Alguise. Oui, mais alors après, pour la... ici en haut. Ah, et on va peut-être pouvoir se sacrifier si on a assez de cœur bleu qui drop. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Bonjour, Papy Jérôme. Ah, on va pouvoir se sacrifier une part en partie, hein. On va full clear tout l'étage d'abord pour voir en fonction du Devil Deal, etc. Oula! Merde! Fuck! Fuck! Du coup, je prends un cœur bleu. Ok, on laisse les cœurs noirs pour après. Secret, c'est fait. On a Super Secret qui arrive. Nice ça, ça c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, mais d'abord, d'abord le boss. Ah non merde, c'était con. Non non, fallait faire d'abord le sacrifice. Black rune, on va prendre la guise. Le nail, bah c'est un actif, ça me débarrasse de mes cœurs rouges, ça me convient, ça me convient. On fait un deuxième activable. Ça, on va la Black Rune. Donc la Algaze, on va la poser là. Voilà. Ceci, Damage Up. Merci. Et Shot Speed. J'utilise le Nail. Donc un cœur bleu. Alors ça, par contre, si je l'utilise maintenant, là, le problème, c'est que ça m'enlève pas le demi-cœur rouge. Dommage. Oui, 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 on peut le prendre. Bum friend. Qui va voler des pièces. Alors, combien est-ce qu'on a de cœur? 1, 2, 2. Seulement 2. Ah, c'est pas worse du coup. De... Ah si, 3. Des gaz. Des gaz. J'ai des gaz. Là j'en ai un aussi. Est-ce que j'ai d'autres batteries? Non, j'ai pas d'autres batteries. Ok, bon, alors on fait comme ça. On utilise Algaze ici pour rentrer là-dedans gratos. Oui, deuxième item de Guppy. Ça me convient. Et je garde le nail pour des cœurs bleus. Après, des cœurs bleus, je vais en avoir vraiment en quantité monumentale. Ça, c'est un gros dégât quand même. Hein. C'est un gros dégât. Mais après, il nous reste pas grand chose. Alors, je vais garder les mouches. Je vais garder les mouches. Cœur bleu. Donc, on a un cœur bleu, un cœur noir qui traîne. Donc, je peux me sacrifier un petit peu. Je sais pas si c'est worse. En vrai, je sais pas si c'est worse. Non, non, on ne sacrifie pas, tant pis. On y va comme ça. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse sur l'étage. On a tout fait. Ok, on se tire. On se tire.
Alors, the sun pour un mapping. On va peut-être garder le mapping pour la cathédrale. Pour le chest. Non, pour le moment. Si je trouve un autre truc, une rune intéressante à garder, je garderai la rune, mais... Alors, bien le bonjour. Vous allez vous faire bomber la gueule? Non, pas tout de suite. Enfer, c'est bon. Non, wow! Ah bah si. Finalement. Je vais récupérer le cœur bleu qu'on a droppé juste avant. On va faire la challenge évidemment. Les gars sont pas monstrueux hein. Mes dégâts sont pas monstrueux sur les boss. Sur les mobs ça va, on one shot quasiment toutes les merdes. Tous les mobs. C'est plus compliqué sur les boss. Et oui, on a des mouches, mais pareil, les mouches elles font pas énormément de dégâts. Algiers encore, on va garder The Sun pour le moment. Ah bah non, on va utiliser l'Algiers ici, comme tout allure. Un caillou marqué, Trinket, on va prendre ça. Loose, je sais plus ce que ça fait. Alges. Petite TP Devil Deal serait vraiment la bienvenue là. Et non. Tant pis. Parce que j'ai toujours un cœur dont j'aimerais me débarrasser, moi. Ah oui merde, tu stompies avec le nail, pas oublié. Hop. On va rester caché hein. Après c'est dangereux sur cet étage d'être stompie, donc c'est pas plus mal que j'ai oublié. Caillou marqué, né. Caillou marqué, né. Caillou marqué, né. Ok. Trou du cul. Blanc rune. Pourquoi tu veux te débarrasser du cœur rouge? Parce qu'avec le Polaroid, en fait, quand t'as pas de cœur rouge, à chaque fois que tu te fais toucher, tu reçois un bouclier. Du coup, il vaut mieux avoir que des cœurs bleus. C'est comme ça, à chaque fois que tu te fais toucher, t'as un bouclier. Parce que le... Non, c'est pas tout à fait ça. Le Polaroid, en fait, c'est quand tu es à un demi-cœur rouge. Ou moins. À chaque fois que tu te fais toucher, tu chopes un bouclier. On va full clear. Hein. Une petite TP Devil Deal, on sait jamais. Parce que là, on est qu'à 37% de chance. Il faut qu'on trouve un mendiant aussi. Pour éventuellement le bon bas. Va falloir que je trouve la secret. Non, la secret, on l'a. Ok, on a le mapping. J'aurais dû le laisser le cœur vu que mon nail est chargé. Il y en a combien? Ok. Oula l'enfer. Oula l'enfer. Et ça passe. Ouh. Non mais pilule, je m'en branle. C'est vrai qu'il faut que je pense à laisser l'argent pour le bum. Merci la bombe qui m'a sauvé ma clé. Je peux bomber ici pour une bombe pour une bombe et une échelle de corde potentielle. Non. TP Devil Deal. Avec une pétro. Ok, c'est pétro qui reste du coup. Ok, on a masse de cœur bleu, la blanc rune, Osef.
Ok, du coup, secret. Un mendiant qui se répétait, parfait, on augmente nos chances de David. Faut que je laisse les sous. Faut que je laisse les sous. Pardon. Pardon, petit copain. Ok, et eh ben, go pour le boss. Hein. J'ai quoi? J'ai 7 bombes, je peux essayer de chercher la super. Si, j'ai ça bombé aussi. Ça doit pour moi. Une clé, c'est tout? C'est tout. Allez, on a 40% de chance de Devil Deal. Il faut qu'on se débarrasse de notre cœur rouge, là, bordel. En plus, on a une bonne pétro, là, qui peut se mettre bien. Et avec un peu de chat, on se refait un joli petit... Non, je vais laisser battre, on s'en fout des trois mouches. On se refait un petit joli couteau brimstone. Ce serait pas mal. Alors, super secret. Super secret, ça va être ici. Oui. Est-ce que j'arrive à ne pas péter le baril? Bah non. Après, en tous les cas, c'est dangereux, donc... Non mais t'as pas autre chose que des pilules de merde. Bah go hein. 40% de chance de David, let's go. Ah le couteau. Ok, ça passe. David, nice. Allez. On est Guppy. Je l'ai pris parce que bah ça me donne le vol. Je sais que j'ai le couteau donc Guppy ça a rien. Et à chaque fois qu'il y a une main dans le Devil Deal, j'ai toujours les boules. J'ai toujours les boules d'avoir de me faire kidnapper. Ok donc on est bon, on est Guppy. On n'a plus de cœur rouge donc c'est parfait. La run est gagnée en vrai. On a la couille de Guppy du coup. C'est probablement un des moins bons items de Guppy mais c'est pas grave. Full life, on a tout. Let's go. Let's go! Je t'offre, je vais me chercher un verre après la run. Merci de prendre soin de ma santé. Ah, il est pas mort. Là, sérieux, c'est. Franchement, c'est gagné. Hein. C'est vraiment gagné. Alors, on n'a pas de vie de sécurité, mais quand même. Faut pas abuser. Une rune. Kira serait pas mal là. On arrive au chest. Dagaz. Dagaz ou Petro, on va garder Petro. Hein. Jodogi. Ok, le boss est en haut. What? Comment ça se fait que je génère des mouches? Attendez, comment ça se fait que je génère des mouches? Ah, le turret baby qui génère des mouches? Normalement, le couteau, ça génère pas de mouches. Ça a été patché. Ça a été patché. Comment ça se fait que je génère des mouches? Le doigt. C'est le doigt. Ok. Bah, je suis Guppy et c'est pété. C'est le doigt. Non, 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 non. En fait, Guppy couteau, ça marche pas normalement. Bonsoir, Azul. Guppy couteau, ça ne génère pas de mouches, mais c'est le doigt en fait. Parce que ça génère des mouches à chaque fois qu'on touche, mais le doigt il touche à chaque frame, je pense. Ah, c'est quoi que j'ai eu là? Daggers. Ah ouais, ça doit être ça. Hein. Je ne vois que ça comme explication. Ça, explication qui me convient tout à fait.
qu'on a d'autant plus gagné encore. Ça va bien, merci. Allez, regardez, je génère des mouches alors que je tire pas là. Bon, on a découvert une combo broken. On va full clear quand même pour espérer trouver une Hiera. Après, je sais pas ce qui est mieux entre Hiera et Petro. Je pense que Hiera est quand même mieux, je pense. Hein. Bon, ouais. Dégaz. Ça, c'était dégaz aussi, hein. Encore une pétro. On a deux pétro du coup. Enfin, en fait, on s'en fout tellement de se faire toucher, il y a tellement de cœurs bleus qui traînent de partout. Ça va pas dropper de rune. Ah! It was! Échelle de corde? It was. Non. Ok. Donc on doit laisser malheureusement une. Attendez, non, il y a encore la secret possible. Ici. Ici, oui. Yes. Oh, ah, c'est tentant, hein. C'est tentant. Au dernier étage, alors qu'on a une pétro. Ça, en gros, c'est au début de chaque étage, on reroll tout notre perso. Et on change tous nos items. On va de toute façon être guppy, donc on va de toute façon voler. On va plus avoir le cut. On a beaucoup d'items. Je me dis, pour le beau jeu, pour le beau jeu, on peut pas perdre là en soi, hein, je pense pas. Allez, missing no. Voilà, donc nous avons déjà eu notre reroll. Ok, bon, d'accord, c'est nul. Mais on est à 5 de dégâts. Ouais, quoi que c'est nul. En vrai, on a beaucoup de... Ah, on a quoi? On a quoi? Attendez, je vais regarder sur le tracker. On a eu, ouais, donc Techno qui est pas fou. Le lard, c'est pour ça qu'on est moins rapide. Et qu'on a récupéré des cœurs rouges du coup. Magic Mush, on a récupéré un cœur rouge, un HP up. Le truc de la... le sac de billes, donc on a eu une trinket. Le more option, ça sert à rien. On a la petite Alison. Donc s'il y a des passages de... Des échelles de cordes, ça marche. On a eu une chance de plus. Enfin, une vie en plus avec Guppy Scholar. Gimpy, le petit Lil Chess. Le contract from below. Double actif. Ah, on a un petit compagnon que je vois pas, ok. Et on... Ah, c'est Monstrous Lung qui fait qu'on a des lasers dans tous les sens. Et par contre, on a le double trinket portable, double carte. Donc ça, c'est plutôt sympa. On n'a pas le double trinket, par contre. Non. Ok, donc le double carte. On va aller rechercher. Pas ça. Pas ça. Il n'y a pas eu de reroll des... Ah si, il y a eu un reroll. Ah non, ok, oui. Les pilules ont été remplacées. Par des cartes. Mais les runes ne sont pas interchangées ici. Il me semble pas. Judgment. Ah ouais, nice. Ah, je peux pas plus. Voici, je peux plus, j'ai des cœurs de partout. Ça, je sais plus ce que c'est. En fait, je dis ça, mais je suis pas sûr d'avoir des cœurs de partout. Si j'ai vu qu'ils ont été reroll. S'il y en a quand même.
Rocker City. Double downtime. C'est les effets de durée qui sont plus longs, non, c'est ça? Two apart. Vas-y, heal-moi, si tu veux. Daggers, cœur bleu. Elle est passée. Elle est à gauche, je suis pas allé voir à gauche. Elle est là, ok. Ouais, là, j'ai deux pétro. J'ai deux pétro. Donc, très bien. On y va comme ça. Ah, attendez, par contre, vu que j'ai que des cartes, je peux bomber ça pour le petit joker? Non. The Lover, High Priestess, Wheel of Fortune ou Hierophant. The Hierophant. On garde les deux pétro, hein. Très clairement. Ah, du coup, par contre, j'ai plus le sac de runes. Donc, on va difficilement trouver une Hiera dans le chest, mais c'est pas très grave. Allez, go for the boss. Cadence de tir est incroyable, hein, par contre. Elle est vraiment incroyable. Mais les dégâts sont moyens. Mais on fait des mouches toujours. Et on en fait... Non, c'est pas vrai, les dégâts sont corrects. Hein. En vrai, les dégâts sont corrects. De toute façon, c'est que pour cette salle qu'on a ce build. Hein. Vu que ça va reroll à l'entrée du chest. Bombe. Let's go. Du coup, voyons voir le build final. Transform Mother. J'ai perdu une rune. 4,35 de dégâts et 8 de tier rate, ça va. Qu'est-ce qu'on a? On a de la merde là, non? On a de la merde. Sac, les pilules, Tarot Cloth. PhD par contre, c'est cool. On a le PhD, Store Refresher, on a Chaos. On a la Broken Watch, ok. Ça va. C'est pas dégueu, mais par contre, mon DPS est nul à chier. Et celle-là, elle se transforme si je la ramasse, non. Ok. Alors, des caca, des bons caca. Freeze Effects nul, numéro 2 nul, et ça, c'est tout est nul, tout est naze. Donc on va pétro. Mais d'abord, Power Pill, Gulp, Friend Tilden. On va Gulp la trinket. Frank Tildian, je prends. Lemon Party, c'est naze. Frank Tildian, ok. Relax, puberté. I can see forever. Ici, on a The Lover. The Lovers. Ok, maintenant. Merde, non, elle s'est transformée. Elle s'est transformée, là. Puberty. La rune, parce que je l'ai laissée traîner, elle s'est transformée. Quel trou du cul. Bon, bah, je prends ça, et c'est tout. Ok, ça va être un peu plus compliqué que prévu, du coup, parce que bah, le build est naze. On a l'item martyr, donc à chaque fois qu'on se fait toucher, ça recharge notre activable. Ah ouais, non, ça peut être pénible, hein. On a plus de deuxième vie, putain, et je fais n'importe quoi. Et on va plus avoir les drops de cœur bleu qu'on avait jusque là. Relax. Du coup... Ok, dans un hit, j'ai le... ça qui est chargé. Ouais, la Broken Watch. Ça serait pas déconnant de compter. Alors, Broken Watch dans cette salle, vu ma vitesse, elle fait du bien. Hein. Ça, c'est de la merde. Petit HP up en plus. Black Bean. Ah, c'est pas l'activable, Black Bean. Okay. Ah, puis j'ai pas vu qu'on avait une Curse of the... Enfin, on voit rien. Et je fais n'importe quoi. On a une petite mouche copine.
Gulp. Vas-y, gulp la... la trinket. Ah oui, j'ai la petite araignée qui freeze les ennemis aussi. En plus du freeze effect. Ça c'est nice, un demi-cœur. Et le mapping inexistant, c'est casse-couille. Hein. Ici c'est un cul-de-sac. La salle accélérée de merde. Voilà pourquoi la Broken Watch c'est de la merde. Ça va. Ça va, on s'en sort bien. On a le boss. Et c'est la salle numéro 2, donc il va pas être ralenti. On va faire le boss tout de suite. Hein. Je prends pas de risque. Clairement, je prends pas de risque. J'ai des cœurs, j'ai ce qu'il faut. Donc let's go. Ça devrait le faire. Je vois pas ce qui me touche. C'est la première fois qu'on est sous tension dans le chest. Hein. Mais ça devrait le faire quand même. On a encore pas mal de cœurs. Ça va. Heureusement, on a les mouches qui dépèsent pour nous. Je sais pas ce qui m'a touché. Ok, si je fais de la merde comme ça, c'est pas... Ouais, et si je regarde mes cœurs, au lieu de me focus sur le combat, c'est pas une bonne idée non plus. C'est bon, c'est bon. Ouh. Eh ben, une run de plus. Parfait. Ouh. Rien du tout, Dimi. Mais c'est Inno qui fait le café. YouTube, pouce bleu, commentaire, abonnement, cloche, Tipeee, tout ça. Salut YouTube!